بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى إبراهيم وموسى وعيسى الأخيار المفضلين. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième édition de l'émission Parole commune, une parole qui est commune aux trois religions révélées, les religions du livre Ahl al-Kitab, que nous invitons et nous invitons aujourd'hui pour débattre de sujets qui nous sont communs, de réflexions qui nous concernent tous. Et pour répondre à vos attentes et à vos remarques que nous avons reçues à l'issue de la première émission sur l'unicité divine, on a reçu énormément de questions par Internet et par email sur la notion d'unicité. Il semble que la dernière fois, on n'a pas été très précis ni très clair dans notre présentation à nos téléspectateurs. Et ils nous ont prié très rapidement, avant qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui et avant qu'on le développe, à savoir Isa alayhi salam, l'avènement du Messie. Je voudrais revenir avec vous trois sur l'unicité, mais très rapidement, puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais simplement un complément et une clarification de ce qui a été un peu mal perçu lors de notre première émission. Je présente mes invités que j'ai un énorme plaisir à recevoir et que je remercie de nous avoir consacré du temps et d'avoir interrompu leur agenda pour pouvoir être présent avec nous sur ce plateau pour pouvoir éclairer ceux qui le souhaitent et s'enrichir de leur participation. À ma gauche, et je présente comme la dernière fois par l'ordre de révélation, donc même si je pense que c'est le plus jeune de mes invités, mais c'est la plus ancienne révélation, Monsieur le rabbin Gabriel Agaï, qui est rabbin en région parisienne, enseignant et chercheur à l'école pratique des hautes études, le PHE, vice-président du CIEU, association de dialogue interreligieux, qui a été d'ailleurs cofondée, entre autres, par vous et Cheikh Jalloul Saddiqi, membre du comité interreligieux de la famille franciscaine, entre autres occupations, parce que vous consacrez votre vie à ces sujets et à la parole de Dieu. Je reçois également le père Philippe Antoine, qui aujourd'hui est parmi nous. Il est père blanc, il a passé 8 ans au Cameroun, 33 ans au Mali, donc connaisseur de ce dialogue interreligieux, puisqu'il a passé 33 ans de sa vie dans un pays majoritairement musulman, le Mali, avec une histoire extraordinaire dans l'histoire de l'islam, avec la ville de Tombouctou et le savoir qui est contenu. Donc on aurait fait exprès, on n'aurait pas mieux trouvé quelqu'un qui a pratiqué cette intelligence de la tolérance et du dialogue interreligieux. Notre ami et frère Jalloul Saddiqi, directeur de l'Institut Al-Ghazal et de la Mosquée de Paris, formation d'imam, mais également très actif dans le dialogue interreligieux, cofondateur du CIEU, mais également il est dans la fraternité abrahamique et s'active pour rapprocher les vues, pour rapprocher les humains, parce qu'avant toute chose, nous sommes tous, s'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord sans aucune difficulté, c'est que nous sommes tous la créature de Dieu, et c'est de ce point que nous partons. Donc, après cette longue introduction dont je m'excuse auprès des téléspectateurs, l'unicité divine, et je m'adresse au père Philippe Antoine. Mon père, la question qui m'est revenue à travers Internet et à travers les emails, c'est un sentiment diffus où les téléspectateurs n'ont pas compris, parce que si c'est très clair pour le judaïsme où il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel, clair pour les musulmans qu'il y a un Dieu auquel on n'associe personne, il y a ce concept de la Trinité qui n'a pas été développé lors de la précédente émission et qui, pour les téléspectateurs, appelle questionnement. Je répondrai d'abord que la première parole du credo que nous confessons, notamment le dimanche, dans les grands messes, c'est « Credo in unum Deum ». Je crois en un seul Dieu. Ce Dieu s'est révélé à nous au cours de sa révélation, il s'est révélé à nous. Père, Fils et Esprit, c'est cette fameuse Trinité. Ce concept, effectivement, est difficile
à saisir. Un n'est pas trois, et pourtant. Et pourtant, je citais le premier livre de la Genèse. Quand Dieu a créé l'homme à son image, il a créé homme et femme. Un seul homme. L'unité se trouvait là, dans une dualité. C'est un concept qu'il nous faut accepter. L'unité plurielle, scientifiquement parlant, elle se conçoit également. Mais ce n'est pas, je dirais, un langage commun. Dieu se révèle à nous comme Père, Verbe et Esprit. Verbe, qui est l'image même du Père, le reflet du Père, la parole du Père, qui va s'incarner, voilà, c'est un autre mystère, dans la personne de Jésus. Mais dans la Trinité Sainte, Dieu, cette relation d'amour, qui est un échange, mais qui est l'être premier. Dieu n'est pas, se contemple à travers le Verbe dans l'Esprit. Vous comprenez qu'il y ait quelque part un peu de difficulté pour les téléspectateurs à comprendre, parce que c'est un concept assez philosophique, si j'ose m'exprimer ainsi, pour que trois en fassent finalement un et que un soit trois. L'image élémentaire que l'on donne aux enfants, c'est le triangle, avec ses trois côtés, qui est unique. Si vous retirez un côté du triangle, il n'existe plus. Chez les Juifs, qui est donc la première révélation, ce concept de Dieu unique, l'éternel unique, est tellement fort qu'à un moment, les religieux juifs, les rabbins, n'écrivaient même pas le mot Dieu ou le nom de Dieu, ils écrivaient des abréviations imprononçables. Alors, monsieur le rabbin, vous venez d'entendre le père Philippe-Antoine. Pour les téléspectateurs, la position du judaïsme par rapport à l'unicité de Dieu. Tout d'abord, Shalom Aleichem wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix, la miséricorde et la bénédiction du Seigneur vous accompagnent. Alors, c'est sûr que pour le judaïsme, l'unicité de Dieu, c'est une unicité absolue. C'est notre credo, donc l'affirmation de l'unicité de Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Écoute Israël, ô Israël, le peuple juif. L'Éternel, notre Dieu, est un. Ahad. Ahad. Et cette unicité, c'est une unicité absolue, ce n'est pas une unicité relative, c'est-à-dire qu'elle est à la fois indivisible, c'est-à-dire que ce n'est pas comme une tarte qu'on pourrait diviser, c'est une unicité absolue. Et c'est à la fois une unicité qu'on ne peut pas additionner non plus. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer un deux dieux, trois dieux, cinq dieux, etc. Donc, elle n'est ni divisible, ni multiple. Ni multipliable, ni additionnable. Et donc, cette unicité de Dieu, elle est absolue. Et je dirais même que, au point de vue mystique, c'est une unicité qui appelle à la réalisation. C'est-à-dire que nous avons une lecture dualistique de notre relation entre la créature et le créateur au niveau de ce monde relatif, et puis nous avons une lecture absolue où il n'y a que Dieu et la créature existe en Dieu. Dieu s'aime lui-même à travers l'amour que sa créature lui porte. Dieu se loue lui-même à travers les louanges que la créature lui porte, etc. Alors, juste une question très rapidement, monsieur le rabbin, parce que un des buts de cette émission, c'est de lever les idées reçues et tout ce qui est colporté sans fondement. Mmh. Certaines des questions reçues également s'adressaient au judaïsme. On nous disait, oui, c'est vrai, les juifs disent que Dieu est seul et unique, et ils ont une notion très pure, entre guillemets, de cette unicité divine. Mais c'est leur Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'univers. Quelle est la réponse à donner, puisque ça me semble contradictoire à partir de l'instant où on ne reconnaît qu'un seul Dieu, donc il est le Dieu de tout. C'est évidemment le Dieu de tout l'univers, vu que la première phrase de notre Torah, de la Bible, c'est que Dieu a créé le monde. Donc ce Dieu-là, c'est le Dieu de tous. Alors,
C'est un Dieu qu'on va le nommer en hébreu, on va s'adresser à lui en hébreu, qui est notre langue liturgique, religieuse. Mais bien évidemment, c'est le Dieu qui est commun à toute l'humanité, et c'est ce Dieu qui se révèle aussi à travers les prophètes de toutes les nations à l'humanité tout entière. Avant que je revienne au père Philippe Antoine, je m'adresse à Cheikh Jalloul Siddiqui. Monsieur le rabbin a dit « Ahad ». Même en hébreu, le mot est le même « Qulhu Allahu Ahad ». Donc déjà, il y a un pas de franchi entre la première révélation et la dernière des révélations. Donc il y a une jonction, et c'est ainsi que je reviendrai pour terminer sur ce sujet au père Philippe Antoine. Je vous écoute. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. D'abord, je voulais remercier mon ami Gabriel, tout simplement, parce qu'il y a des années qu'on discute, et c'est dans le débat qu'on a les bonnes idées. Et je voulais aussi saluer la disponibilité de Père Antoine. Non seulement il était en Afrique, mais il était aussi dans une qui m'est très chère. C'est ma ville d'enfance, c'est Oran. Il est resté 4 ans. Et je voudrais signaler que Père Antoine, c'est quand même l'élève de Massignon. Massignon qui a fait beaucoup de rapprochements entre les musulmans et les chrétiens. Et nous savons tous cette histoire de la caverne Al-Kahf. Et son travail extraordinaire sur la thèse de l'Hallaj, donc la dimension spirituelle entre le christianisme et l'islam. Je pense, cher Tofir, que j'étais très net l'autre fois sur la Trinité. J'avais commencé, avant d'aborder la question de la Trinité, cette parole très sage que je trouve. Je voudrais dire à nos amis téléspectateurs, vous savez, certainement les discussions dogmatiques, certainement des fois nous séparent. Et je voudrais dire que cette opposition, elle est flagrante entre chrétiens et musulmans sur la question de la Trinité. Mais peut-être il faudrait aussi voir le concept du mystère. Le mystère, cette dimension spirituelle est très importante dans la compréhension, je dirais, de la dimension de la Trinité, qui d'ailleurs est aussi révélée pour nous dans le premier chapitre de Alif Lam Mim Dhalika Kitab La Rayba Fih. Donc déjà dans le deuxième chapitre, sur le Baqara, où déjà on fait appel à cette référence spirituelle entre échanges chrétiens et musulmans, car vous étiez les grands invités, je disais l'autre fois, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au prophète de l'islam, cette délégation qui a été reçue, qui a pu célébrer la messe dans la mosquée de Médine. Mais écoutez, s'ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente sur la nature de ce qu'on appelle Tawhid, qui était un mouvement très important dans le premier et deuxième siècle, il y avait quand même le respect, il y avait quand même la courtoisie, il y avait quand même ce rappel de ce verset qui dit « Et si Dieu avait voulu, il fera de vous une seule communauté. Mais pour mieux vous éprouver, il a fait de vous des peuples et des tribus. » Pour nous, la question de Tawhid, c'est « Qul Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Wa Lam Yulad, Wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. » Je pense dans cette sourate 112, qu'on appelle des fois, ou qu'on qualifie des fois de le monothéisme pur, c'est qu'il n'y a pas un brin de soupçon. La totalité spirituelle de son transcendance veut que nous soyons clairs sur la dimension. Ceci dit, cette histoire qui a été vécue par mes amis chrétiens dans un débat très houleux, et là, mon ami Gabriel est très, très à l'aise, quand on parle des conciles, cette question qui a été posée par, bon, je dirais pas par un laïc, mais par un politiste qui était César, ce grand empereur qui a embrassé, qui a fait pour la première fois de l'histoire de l'Église, du christianisme, une affaire d'État, donc une religion d'État. Sa question était claire. Expliquez-moi ce qui est votre Dieu. Et ce débat entre plusieurs mouvements qui est donné plus tard, ce qu'on appelle le grand chiisme, ou un grand mouvement sioniste, certains ont refusé mon père. Certains, des chrétiens, soit les monophysistes, soit les historiens, ont refusé ce débat. On ne l'a pas reconnu, ou ils ont une vision plutôt autre.
Car n'oublions pas quand même que durant 150 ans après la, pour nous les musulmans, quand Isa alayhi salam était rappelé à Dieu, c'est une histoire quand même très imbriquée entre ce qu'on appelle le judéo-christianisme ou la culture judéo-chrétienne. Cette parenthèse est importante, Gabriel est certainement plus spécialiste que moi, pour nous expliquer cette dimension qui régnait ce débat. Car même le Coran, il faut révéler, n'était pas révélé dans un, on va dire, dans un espace un peu vierge. Non, il y avait tout un patrimoine, je dirais, chrétien, juif, etc. Je répondrai par ceci à mon ami Tawfiq. La Trinité, je crois que pour nous c'est clair. Très bien. J'ai une question qui découle de ces explications que nous venons d'entendre au père Philippe-Antoine. Est-ce que dans la famille chrétienne aujourd'hui, avec toutes ses composantes, toutes ses écoles, protestantes, unitariennes, adventistes, catholiques, est-ce qu'il y a une de ces familles qui soit purement monothéiste sans le concept de Trinité? Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas se dire chrétiens. Si vous refusez le concept de Trinité, c'est en même temps Jésus-Christ que vous allez refuser. Voilà, ce concept. Alors là, je reviens, oui, sur le point de départ, quand j'ai dit, notre credo, c'est credo in unum Deum, nous croyons en un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Hein. Ça, c'est la plus grande insulte que l'on peut faire à un chrétien, de lui dire qu'il adore trois dieux. Credo in unum Deum. Ce Dieu qui s'est révélé. Permettez-moi, dans ce cas, quand on entend, permettez aux profanes, hein, je connais strictement rien et je le confesse, quand on entend un prêtre dire notre Père qui êtes aux cieux, et après on entend Jésus, notre Seigneur Dieu, donc comment ne pas considérer Jésus comme un deuxième Dieu? Jésus, le mystère de Jésus est autre. Quand je parle de la Trinité, je parle du Verbe. Qui s'est incarné par la volonté de Dieu, c'est une manifestation qui s'est révélée dans cette humanité, mais sans que le Verbe, je dirais, sorte de Dieu. Hein. L'unité même s'est fait. Dieu s'est révélé comme il peut faire une apparition, comme il peut. Voilà. Mais dans le Jésus est en même temps pleinement Dieu. C'est les deux natures. Ça, c'est, ouais, on est en plein dans le mystère de foi. Ce sont les deux natures dans une seule personne. Les dieux nés de Dieu, lumière née de la lumière. Vrai Dieu est du vrai Dieu, mais il est toujours le Verbe éternel en même temps. Monsieur le rabbin, nous sommes là vraiment dans un concept de mystère, j'avoue, devant lequel nous sommes petits, nous sommes pauvres, nous sommes limités dans notre expression. J'avoue honnêtement que je prends de ce que vous venez de dire le mot mystère, parce que personnellement, je n'ai pas encore saisi, dans le mystère, effectivement. Je crois que c'est... Le mot, je veux aider mon ami Tawfiq. Oui. Le mot qui le cherche, c'est l'incarnation. C'est que nous, on rejette la Trinité, on rejette l'incarnation, parce que nous avons vécu, un drame, avec l'avènement des Fatimites. Nous sommes dans le 10e siècle, et... Hakim bi'amrillah, c'était un khalif tout simplement. Il dit, Dieu s'est incarné en moi. Et après, il a disparu. Ça, c'est une histoire qui est très connue, qui a donné une déviation. Et c'est pour cela que, pour nous, dans notre histoire, l'histoire des sectes, chez vous, vous avez 71, 72, et nous 73, donc on n'est pas encore sorti de ce problème de secte. Mais pour nous, le Hakim bi'amrillah, quand il a déclaré « Dieu s'est incarné en moi », et c'est un mystère, tout simplement, la position des ulémas, des savants musulmans, ont déclaré qu'il était un apostat, un non-croyant. Pour nous, le mot qui voulait dire peut-être Tawfiq, la Trinité, si ça reste un exercice compliqué qui passe forcément par le mystère, mais le problème de l'incarnation,
Est-ce que Dieu s'est incarné dans Jésus? Comme nous, nous refusons en tant que musulmans, je dirais sunnites, le problème de l'incarnation, pour nous, il y a aussi, vous avez les druzes. Les druzes, c'est aussi compliqué, ce qu'on appelle les chiites, les alawiyines, dans le sens où ils sont les chiites des ismaélites. Car, pour nous, je dirais ça d'une manière un peu vague comme ça, moi, sunnite, si je respecte mes amis chiites, je dirais à l'occasion que le problème entre nous est plutôt politique que religieux ou dogmatique comme nous, les chrétiens, on a un problème avec les alawites qui pensent que Dieu s'est incarné en Ali. Que les ismaéliens, une partie des ismaéliens, pensent que Dieu s'est incarné en Hakim Amrillah. Et ça, c'est très grave. Et il y a toute une littérature très complexe à savoir. Donc, le problème n'est pas uniquement chrétien. Et des fois, il est aussi musulman dans leur déviation. Mais si j'ose m'exprimer, il est originellement chrétien, puisque cette notion est apparue avec le christianisme et particulièrement avec le dogme catholique au départ. Mais le dogme chrétien. Chrétien. J'aimerais s'il vous plaît, si vous permettez. Sur les relations des monothéismes, j'allais dire absolus, qui sont le judaïsme et l'islam, avec le christianisme, c'est très important d'écouter le discours qu'ils ont eux-mêmes sur leur propre foi, et qu'on n'essaye pas de dire comment ils devraient croire, ou d'essayer de projeter notre compréhension sur eux. Les rabbins ont eu la même problématique quand le christianisme est arrivé, et parce que il y a certaines lois que, par exemple, on ne peut pas tout faire avec des idolâtres. Mm-hmm. Avant leur fête, mm-hmm. on n'a pas le droit de commercer, par exemple, parce que ça veut dire que tout ce qu'on va leur vendre, ils vont l'utiliser pour l'idolâtrie. Mm-hmm. Donc nos rabbins, les communautés juives, se sont trouvés devant cette problématique. Est-ce que les chrétiens sont des idolâtres ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut laisser le magasin ouvert avant Noël ou avant la Pâque chrétienne ? Ou est-ce qu'on doit fermer parce qu'ils font de l'idolâtrie ? Et donc, les rabbins se sont assis avec des chrétiens, des théologiens, pour vraiment comprendre leur religion à leur manière. Et les rabbins, à l'époque, ont bien compris que le christianisme est un monothéisme. Certes, c'est un monothéisme à leur manière, c'est-à-dire ils associent, c'est un monothéisme associationniste dans lequel ils associent Jésus et l'Esprit-Saint pour faire une trinité. Mais cette trinité, pour eux, ils la comprennent comme un monothéisme. C'est très important. Donc, bien que ce soit pour nous, juifs, strictement interdit, ça participe pas du tout de notre foi, on reconnaît la légitimité de leur manière de vivre leur monothéisme, on a retiré, si vous voulez, les chrétiens des idolâtres pour dire, bon, ce sont des monothéistes, du coup, on peut avoir des relations fraternelles avec eux, chose qu'on ne peut pas avoir avec des idolâtres. Je vous remercie parce que vous allez me donner la transition, mais d'abord un dernier mot pour Père Philippe Antoine sur cette question, et après on... Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien distinguer le mystère de la Trinité et l'incarnation. Le mystère de la Trinité, c'est vraiment Dieu unique. Dans ces trois représentations, je dirais, Père, Fils, Esprit. Mais c'est ça. L'incarnation, c'est une autre chose. Dieu, je dirais, s'est révélé à nous par sa parole, à travers les prophètes. Dieu s'est révélé à travers les prophètes. Et Dieu va se révéler d'une manière tout à fait particulière dans cette incarnation du Verbe. Oui, c'est, on entre dans l'historique. Alors donc, que dans la Trinité, on est dans l'éternel. Parce qu'on est obligé de clore sur ce sujet. Ouais. Allez-y. Non, je voulais dire, ça reste perplexe parce que nous, il y a une partie du mystère que nous pouvons comprendre. Et d'ailleurs, je vous citer tout à l'heure, si vous faire vous poser la question, des versets qui sont tranchants. Sur la question de le mystère de Jésus. Nous y croyons, par exemple, dans l'Immaculée Conception. C'est pas le cas de mes amis juifs. Oui, exactement. Donc l'Immaculée Conception, c'est offert. C'est une question importante. Et j'ai, par exemple, je vais vous citer plusieurs versets coraniques où le côté dogme, je me sens à l'aise. Même le concept de nous avons insufflé en lui de notre esprit. Le rôle de Gabriel qui est venu, que mes amis juifs ne croient pas. Eh ben,
il va le dire certainement, Gabriel. On est là pour, on va dire, pour discuter, pas pour se chamailler. Ni pour imposer la vue de l'un sur l'autre. Moi, vous pouvez compter sur moi, que je vais avoir la largesse d'esprit de vous écouter, mais permettez-moi de respecter mon texte avec une vision plus éclairée, et on va avancer tout doucement. Tout à fait. Parce que l'interprétation de ce que fut il y a quelques siècles n'est plus maintenant, mais les textes sont les textes. Ben justement, on va venir au texte, puisqu'on rentre à l'instant dans le vif du sujet, et comme M. le rabbin Gabriel Agaï a dit tout à l'heure, les rabbins avaient un problème avec ce concept de Trinité, je pense que là, c'est ça la transition, qu'avant d'avoir un problème avec le concept de Trinité, les rabbins, d'après ce que j'ai lu et des livres d'histoire et non pas de religion, avaient déjà un premier problème qui est l'avènement même de Jésus, puisque, si j'ai bien compris, et corrigez-moi, vous êtes là pour nous éclairer, Jésus n'a pas été reconnu ni comme le Messie, ni comme un prophète par le judaïsme. Et là, on rentre dans le vif du sujet, l'avènement de Jésus. Puisque Jésus, on ne peut pas en parler pour commencer avec ceux qui l'ont suivi, qui sont représentés aujourd'hui par le père Philippe Antoine, mais par ceux qui l'ont accueilli quand il est né, ça veut dire le peuple juif. Je commence par vous. Alors, il y a plusieurs problématiques dans l'histoire de Jésus. Mais pour commencer, je vais parler d'un rabbin qui s'appelait Eliyahu ben Amozer, qui était le grand rabbin de Livourne il y a un siècle, au 19e siècle, et qui appelait les évangiles, il appelait le Midrash d'Herbi Yeshua, c'est-à-dire les enseignements du rabbin Jésus. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que Jésus, pour le judaïsme, pour la tradition juive, c'est un rabbin tout à fait orthodoxe, de tradition mystique, et rien de ce... des actions de Jésus, des paroles de Jésus ou des enseignements de Jésus dans les évangiles ne contredisent en aucun cas la Torah. C'est de la Torah. Point. Déjà, ça c'est déjà la première chose. Maintenant, il y a le statut de Messie. Alors, Mashiach, ça se dit en hébreu. Voilà, le Mashiach. Le Mashiach, comme dans toutes nos traditions, il y a plusieurs niveaux de lecture de ce concept. Au niveau, tout simplement, le plus bas, le Messie, c'est un personnage politico-religieux qui amènera une certaine félicité au peuple juif et en même temps dans le monde. Ceci dit, à des niveaux plus spirituels, tout maître spirituel, tout enseignant spirituel, tout rabbin qui a des disciples est considéré Messie par ses propres disciples. On peut le voir de nos jours avec une branche du judaïsme qui s'appelle les Lubavitch, qui avait un rabbin, le rabbin Lubavitch. Ils prennent le rabbin Lubavitch, paix à son âme, comme le Messie. Et c'est vrai, hein, au niveau spirituel, c'est le Messie de ses disciples. Donc, le fait que les disciples de Jésus l'appellent Messie, ça ne nous gêne pas, même si ce n'est pas le Messie par excellence. Chaque enseignant spirituel est le Messie de ses disciples. Sachant que, même au niveau dans notre enseignement mystique, à chaque génération, il y a des Messies potentiels. Parce que le Messie, c'est un niveau d'éveil de conscience de l'humanité. Donc quand l'humanité arrive à ce niveau d'éveil de conscience, à ce moment-là, le Messie potentiel du moment présent s'accomplit et se dévoile. Et donc à chaque génération, nous avons des Messies potentiels. Et certainement, Jésus était, dans cette lecture spirituelle, était aussi un Messie potentiel, qui, si la génération avait été à la hauteur de recevoir le Messie... Donc, si je schématise, dans la perception judaïque, Jésus n'est ni prophète, ni Messie. Alors, attendu. Je viens à la voilà. Prophétie. Mais déjà, c'était déjà pour régler le niveau de Messie. Parce que la question est importante. La question est importante. C'est de là que part la reconnaissance d'une autre religion ou sa négation. Donc, encore une fois, selon les niveaux de lecture, si c'est le niveau de lecture simplement le Messie, celui qui est le signe d'un dévoilement, l'unique, le Messie, l'arrivée d'un niveau spirituel de l'humanité, on n'est pas là. Maintenant, et à un autre niveau de lecture, il était le Messie de certaines personnes, et voilà. Bon. Maintenant, le niveau de prophète.
Alors, encore une fois, dans le peuple juif, selon la Torah, la prophétie s'est éteinte à un certain moment avec Malachi. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est éteinte complètement dans la Torah. La prophétie reviendra au moment justement de l'époque messianique. Le prophète Élie reviendra, d'autres prophètes prophétiseront. Donc elle n'est pas dans l'absolu éteinte dans le judaïsme, et en tout cas elle n'est pas du tout éteinte dans l'humanité, bien évidemment. Les rapports de Dieu avec le peuple juif sont pas les rapports de Dieu avec l'humanité, et heureusement que la grâce divine se déverse toujours sur l'humanité avec d'autres prophètes ailleurs. Donc on n'a pas de problème. Mais le niveau prophétique de Jésus, a priori, Jésus, c'est pas un prophète, c'est un maître mystique. C'est un sage. Un sage, mais un maître aussi réalisé. Et les maîtres réalisés chez nous ont un niveau de prophétie qu'on appelle Ruach Kodesh, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est un niveau de prophétie. Alors, a posteriori, maintenant, on peut dire, oui, Jésus est une sorte de prophète, parce que sa parole a eu une félicité, une postérité extraordinaire, et la providence divine a fait que Jésus a donné des disciples à la fois chez les chrétiens et chez les musulmans. Donc, j'allais dire, une lecture post-historique avec la vision de la main de Dieu, la providence divine dans ce monde, on peut dire que Jésus est un prophète. Même si, a priori, dans le judaïsme, pour nous, c'est pas un prophète. Mais on peut reconnaître le niveau prophétique de Jésus pour l'humanité. Donc, tu vois, c'est déjà plus, si t'en fiches, c'est déjà plus complexe que ce que je croyais. Peut-être qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, les gens qui nous regardent, deux dates. Gabriel, avant 587, le concept du judaïsme, mais après le deuxième temple. Ça, c'est important parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de dire, à moins qu'ils soient vraiment des grands spécialistes. Alors, cette dimension, le départ, l'exode des Juifs vers la Mésopotamie, où ils étaient chassés du temple, en 587, c'est important. Donc là, le concept de l'exode et les concepts, de l'alliance. C'est important. Donc, alors, quand tu dis, oui, il peut être un prophète, mais localement, plutôt pas. Même pas. Pour ceux qui. Non, attends. Oui. Si, par exemple, certains le pensent, d'ailleurs, certains grands penseurs musulmans, que nous avons les 25 prophètes qui sont mentionnés, répartis dans le Coran, c'est comme si ce discours était uniquement pour le peuple, Bani Israël, le peuple juif. Et d'ailleurs, le Coran, tous les versets, je dirais bien tous les versets, mais quoi, et sans exception, parlent de ce fait de Bani Israël. Si toi, comme penseur, tu dis oui, mais c'est une chose réservée à un peuple donné, ça change la donne par rapport à ce que moi je pense, que mon discours de musulmans est universel. Alors que le christianisme a que c'est une intermédiaire entre un discours Sha'ballah al-Mukhtar, élu et choisi, par rapport à un discours qui vient de compléter et de dire moi je suis l'universel. Alors c'est une bonne question parce que en fait il y a une c'est important, c'est important. C'est très important. D'abord, dans le judaïsme, nous on appelle notre religion Torah, tout simplement. Donc déjà, le judaïsme, c'est un concept occidental. La Torah, il y a deux choses dans la Torah. C'est une révélation divine à un peuple. Donc dans une révélation divine, il y a toujours deux parties. Il y a quelque chose qui est spécifique au peuple auquel Dieu se révèle à travers les prophètes. Et il y a un message universel. Bien sûr qu'il y a un message universel de la Torah. Ça, il n'y a aucun doute. Nous avons un rabbin du 11e siècle au Yémen qui s'appelle Rabbi Netanel El-Fayoumi. Il a écrit un livre très très important qui s'appelle Bustan el-Uqul. Et à l'époque, mon rabbin écrivait en arabe Le verger des intellects, et dans lequel il reconnaît tout à fait la prophétie de Mohammed alayhi shalom et le Coran en tant que livre révélé. Oui. C'est-à-dire, il cite comme preuve de révélation à la fois des versets de la Torah et des versets du Coran. Donc, pour la Torah, nous, juifs, à l'époque de Jésus, on n'avait plus de prophètes. Oui. Donc, a priori, nous, on dit Jésus, c'est pas un prophète.
Mais comme dans le Coran, on reconnaît Jésus comme un prophète, et on reconnaît la révélation du Coran aussi, il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de, ça ne contredit pas la Torah. Donc, on se dit, voilà, on reconnaît aussi le fait que Jésus soit un prophète a posteriori. Parce que Jésus a quand même eu un discours qui est universel. Et on le voit, il y a quand même les deux plus grandes religions du monde, qui sont le christianisme et l'islam, suivent les enseignements de Jésus. Donc c'est difficile de réfuter le niveau prophétique de Jésus a posteriori. Voilà, c'est très important. C'est ce raisonnement a priori a posteriori. Voilà. Merci. C'est ça l'esprit de parole commune. Merci à vous tous et à vous toutes. Et puis à la semaine prochaine.